Et bonjour à tous, les amis. Bienvenue Fabio. On se retrouve aujourd'hui sur la suite du montage du camion de pompier. C'est la série du moment. Alors vous voyez tout de suite un gros plan sur le weathering. On s'était quitté là-dessus sur l'étape précédente. Franchement, je suis ravi parce que voilà, dès qu'on met un peu de weathering, tout de suite, ça le fait quoi. Ça donne vachement de plus de vie au modèle. Moi qui pensais faire ce kit là sans ajouter d'effet, voir ce que ça allait donner, mais non, au final, voilà, quand on peut, quelques petits pigments par-ci par-là et tout de suite, hein, c'est bien mieux. Alors, l'étape du jour, là, il faut s'arrêter sur l'étape 12-13, la surprise du jour, qu'est-ce que ça va être? On va passer l'étape 14, attention messieurs, attention, encore une étape arnaque, une toute petite pièce. Alors, comme d'habitude, je vais inverser l'image. Un gros plan. Un trop gros plan. Voilà, comme ça. Alors, je vais inverser, vous verrez mieux. On a juste cette petite pièce-là à mettre. Donc, la C64. Je ne sais pas ce que c'est, comme d'habitude. Hein. Bon. Et c'est à peindre en A encore, en German Grey. Oh là là là. Bon, allez. C'est le jeu. On va faire ça. Donc, c'est la pièce C64. Je sors ma grappe C. Commence à être bien entamée celle-ci, il reste plus grand chose dessus et c'est ça. Voilà. Bon les gars, c'est du step by step, je prends les étapes comme elles viennent, il faut pas ne me râler pas dessus après en disant ouais, faut regrouper les étapes, faut regrouper. Moi d'un côté, je vais vous dire, c'est bien pour moi parce que oui, cette petite étape là va être très rapide, du coup je vais pouvoir l'uploader très rapidement aussi. Tac. Donc ensuite, ici, nettoyage quand même, un petit nettoyage s'impose. Alors pour le weathering, vous voyez, tout le sur le châssis en fait, alors c'est pas plus mal qu'au départ, je ne suis pas parti à appliquer tous mes pigments sur chaque pièce à chaque fois. Vous voyez que la bonne technique en fait, c'est de mettre toutes ces pièces et après de faire son weathering une fois que tout est collé quoi. Bon, alors moi, pour les besoins de mon step by step, je colle pièce par pièce. Alors, moi, j'allais dire sur celle-ci, je ne vais pas faire le weathering, mais si, je vais le faire. Bon. Je vais le faire. Mais le mieux, voilà, c'est de tout coller et de faire tout d'un coup le weathering. Voilà, moi, si je fais comme ça, comme je vous le répète encore, c'est pour les besoins de la vidéo. C'est pas une technique, hein, c'est... Voilà, ici avec ma lime, j'ai su virer les résidus de crap, c'est bon. Je vais passer un tout petit coup voilà, d'éponge abrasive, histoire de. Hein. Et voilà, alors, un petit montage à blanc, je regarde quand même comment que ça va se mettre ce machin-là. Dans quel sens? Ah, ça y est, on commence déjà à se paumer. C'est comme ça. Ici, on a le trou, ok. Et ici, ça va aller sur là, ce machin-là. Voilà, là, ici, là, toc. Alors, je peux vous dire que maintenant, je vais faire des montages à blanc. Ah oui, d'accord. Parce que, ah, il y a un trou de chaque côté. Ok, d'accord, ok. Il y a un trou de chaque côté. Et ici, vous voyez, la pièce, elle est comme ceci. Et elle va venir se mettre là dedans, voilà, ici, tac. Allez, bon, on sort, oh, ça va pas être bon, on va sortir le German Grey qui est ici, le XF63. Hop. Un petit coup de peinture. Pas trop, ça sera suffisant, comme ça. Oh mon chat qui fait que miauler, bordel. Une femelle, petite chatte dehors là, en chaleur là. Il est comme un ouf. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Thank you.
Voilà, j'ai réglé. On va laisser sécher et je retrouve tout de suite. Voilà, c'est sec. Allez, on va monter tout ça maintenant. Alors, c'est pas bien compliqué. Enfin, en théorie, c'est pas compliqué. Et vous allez voir qu'en pratique, ça va être la Mimi, la Zézère. Alors, ça va aller là, dans un trou ici, là, dans l'autre trou là. Et là, bim, ça passe plus. Donc, faut passer. Ah, on va passer celui-là en premier. Tac. Ah oui, il y a des endroits, franchement, quand on suit le step, l'étape par étape, c'est pas facile d'accès. C'est bon, on y est. Est-ce que ça tombe? Ouais, c'est bon. Ah non, je suis pas dans le bon trou. Il y a deux petits trous en fait. Et là, j'ai mis dans le trou, d'en dessous, et je crois que c'est dans le trou. Bah non, c'est ça. Ah non. Alors, on recommence. Là, va là-dedans. Voilà. Ensuite, ça. Non, ça va dans le trou d'en bas, en fait, alors. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ça va dans le trou d'en haut. Je ne sais plus. À moi, la notice, au secours. Là, ils mettent bien qu'il y a deux trous, ça va dans le trou d'en haut. Bon. Les ajustements révèlent. C'est parfois très aléatoire. Voilà, ça y est, on y est. J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit, révèle. Un petit peu de colle liquide. Alors, vous n'avez pas vu grand-chose, je suis désolé, parce qu'il y a, voilà, il y a certaines pièces des fois pour les insérer. C'est pas facile de choper un bon angle, un bon angle. Comme ici, là, je vais mettre de la colle, vous n'allez pas voir. Tac, voilà. Et puis là, on va en mettre aussi, là, tiens, allez. Voilà, là, au niveau. Je vais mettre par en dessous, ça se verra peut-être moins. Non, par au-dessus, parce que de toute façon, c'est la face. C'est cette partie-là qu'on ne verra pas. C'est la partie du dessous qu'on verra. Quand on retournera le modèle. J'en mets là, vous voyez, toc. Ça suffira. Voilà, ça c'est en place. On va weatheriner ça. Plus par le dessous. Hein. On va sortir. Alors là, on va pas faire un truc. Qu'est-ce que je vais mettre? Du airfield dust et puis basta. On va pas pousser le truc parce que vous voyez, c'est tout dans le fond. Voyez, la pièce, elle est là. Voilà, on va juste l'empoussiérer, c'est tout. Bim. On va rajouter seulement un peu de jus là au niveau des pattes. Vous voyez? Non, vous voyez rien. Là, voilà, ici. On va mettre un tout petit peu de jus. Je vais prendre du jus noir. Parce que bon, c'est des zones avec des ombres fortes. Alors, est-ce que je suis dedans? Cadre? Ouais. Alors, je vais essayer de vous montrer. Moi, si je vois pas trop, c'est pas grave, de toute façon. Paf, voilà, juste là. Mais bah, à la limite, ce que j'aurais pu mettre, c'est de l'huile fraîche. Je vais mettre de l'huile. Fresh All Engine par MIG. Un petit pinceau. Comme ceci. Toc. Je vais en mettre autour. Merde, pas là. Bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Petite vidéo très courte. Voilà la petite pièce en question, le petit triangle.
un petit peu de fresh engine oil, histoire voilà, d'agrémenter un peu tout ça. Ici, on met rien, ça sert à rien, et, ça va être caché. Merci d'être passé par là, les amis. On se retrouve très vite pour la suite du montage, la 15e étape. Allez, portez-vous bien. Je vous dis tchuss comme d'habitude.